Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 d'Unzer Podcast. On vous avait laissé la dernière fois sur un podcast un peu particulier au sujet du Borussia Mönchengladbach. Aujourd'hui, on retrouve l'équipe au complet. Salut Clément, comment tu vas? Ça va et toi, Paul? Ça va, ça fait longtemps. Clément qui n'était pas là lors du dernier podcast puisque nous étions avec Gab, moi et en compagnie de Jules qui tient la page Gladbach FR sur Twitter. Et donc aujourd'hui, on retrouve également le titulaire indiscutable d'Unser Fußball. Salut Gab, un peu le Florian Grillitch de l'équipe. Salut, salut, ben ça va et pas trop, mais bon, je pense qu'on va l'évoquer un peu plus tard. C'est pas la meilleure période. J'espère que la comparaison que j'ai faite de toi à Florian Grillitch te plaira, parce que l'autre jour, j'ai vu un match d'Offenheim contre Dortmund où il jouait en défense centrale, ce qui m'a assez amusé quand même. Que ce n'est pas son poste de prédilection, mais il a plutôt fait des bonnes choses. Mais bon, aujourd'hui, on va pas faire un podcast sur Florian Grillitch, même si je pense On que pourrait. Gab et moi, on aimerait bien. Mais on risque de se faire taper dessus par la direction. Donc aujourd'hui, on va faire un point tout simplement sur le bilan des clubs allemands en Europe. Donc un bilan qui a été assez décevant, mais on va avoir l'occasion de revenir dessus. On va commencer d'un point de vue assez logique et chronologiquement par l'Europa League, puisque les 16e de finale se sont déjà déroulées avec des localisations un peu particulières, Clément, n'est-ce pas? Oui, à noter notamment pour le match, enfin la confrontation entre Hoffenheim et Molde. Hoffenheim a bien reçu dans son stade, mais Molde a joué sur terrain neutre en Espagne. Mais pour ce qui est du Bayern avec face à Berne, il n'y a eu aucun souci et le Bayern a reçu et Berne a aussi reçu. Donc au final, il n'y a pas eu de changement fondamental contrairement à ce qu'on aurait pu craindre avec que des matchs sur terrain neutre ou quelque chose du genre. Oui, exact. Tu fais bien de parler du Bayer Leverkusen, parce que c'est le premier club que je voulais évoquer. J'ai regardé un peu leur match, et c'est vrai que c'est l'équipe qui déçoit beaucoup depuis le début de l'année 2021. On les avait laissés presque en tête de Bundesliga avant la trêve. Et là, depuis, ça va très mal pour les hommes de Peter Bosz. Donc, éliminés dès les 16e de finale par la petite porte, hein, vraiment face aux Young Boys Berne. Globalement, c'est un peu la décadence sur les derniers mois. On va voir un peu ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais finalement, rien de vraiment surprenant quand on rappelle que c'est une équipe, et on l'avait déjà évoqué, il me semble, dans les podcasts précédents, que parmi les autres équipes engagées en Europe, on pense à Leipzig, le Bayern et Dortmund. Leverkusen, c'est vraiment l'équipe qui a la profondeur de banc la plus réduite. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'à partir du mois de janvier, c'est logique que ça coince un peu, sans compter évidemment le fait qu'en termes de blessures, c'est assez sévère, ce qui touche l'équipe ces dernières semaines, particulièrement au poste de latéral droit. On avait fait un petit tweet là-dessus. Donc, on suivra de près la chute pour les Leverkusen, parce qu'on rappelle quand même qu'en l'espace d'un peu plus d'un mois, ils se sont fait sortir de deux compétitions, à savoir la Coupe d'Allemagne et l'Europa League, et que donc il ne leur reste plus que le championnat à jouer avec énormément de blessures. Donc, on espère quand même pour eux, et notamment pour Peter Bosz, qu'on apprécie ici parce qu'il a un projet de jeu assez alléchant, que l'équipe retrouvera un petit peu de solidité et stabilité pour le reste de la saison. Autre club engagé en Europa League et qui a également déçu, le TSG Hoffenheim. Gab, je te laisse évoquer cela, si t'as digéré l'élimination. Ben, c'est sûr que je ne l'ai pas vraiment, même pas du tout digéré. J'ai encore un peu du mal à y croire parce que on sort d'un très beau parcours. On finit premier de notre poule. On finit deuxième meilleure défense, je crois, avec que seulement 2 buts encaissés en 6 matchs. Quatrième meilleure attaque avec 17 buts marqués. Donc, enfin, c'est des choses vraiment qui donnaient envie de voir la suite. On tire donc Molde, donc un club norvégien. Et ça, j'étais honnêtement. Assez impatient de voir ce qu'allait se passer ensuite. Peut-être j'ai un peu sauté cette rencontre et enfin, je parle au nom des joueurs et je pense que peut-être dans les têtes c'est aussi un peu ce qui s'est passé. Ils se sont cru directement en 8e de finale, mais du coup c'est pas le cas. Ben ce match en plus, je pense qu'il a fait ressortir les faiblesses d'Offenheim, donc les mêmes qu'on a depuis plusieurs années, un peu des problèmes dans les deux surfaces. Je pense que ça s'est inversé au cours des derniers matchs. Avant on avait davantage beaucoup de mal en défense et on compensait par l'attaque. Sauf qu'en ce moment, on a une attaque plus ou moins apathique, ou peut-être c'est un peu méchant, mais très loin de ce qu'on avait avant. Sur le match retour d'Offenheim-Molde, enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Il y a eu 27 frappes à 3 quand même, 13 corners à 1, 84% de possession, si je ne me trompe pas. Non, 72% de possession, pardon. Et ça finit en 2-0 pour Molde. Enfin, c'est des scores. Un peu des matchs type football manager pour ceux qui jouent, mais c'est d'autant plus inhabituel que ça se passe contre une équipe d'un calibre assez petit.
Hoffenheim ouais, a donc un peu du mal contre les équipes qui ferment le jeu. Peut-être que c'est un des soucis de la Bundesliga. On peut pas vraiment dire ça, mais où toutes les équipes jouent relativement. Bien sûr, il y a des équipes ça ferme le jeu, mais honnêtement, ce match-là, c'était assez saisissant. C'était vraiment un sens unique. Et sauf au niveau du résultat. Mais d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais ça, tu dis un point intéressant par rapport au bloc bas. C'est vrai qu'en Bundesliga, même quand Hoffenheim va jouer une équipe qui joue le maintien, ça va quand même jouer un peu au foot et laisser des espaces. Mais ce que je me demande, et je te le demande parce que j'ai pas vu la double confrontation face à Molde 2, mais est-ce que, et particulièrement au retour, le TSG a quand même eu des grosses occasions, ou c'est surtout des tirs de loin? Qu'est-ce que c'était? Après oui, c'est ça, c'est sûr. C'est 27 tirs, mais il faut resituer dans son contexte. C'est pas des frappes. Il y avait des belles frappes. Le gardien adverse, je crois, il sort 9 arrêts. Enfin, c'est quand même une très belle statistique hein, pour ceux qui suivent un peu les gardiens en moyenne. Mais c'est des balles qui sont pas non plus très compliquées à chercher. Il y a aussi du mal à rentrer dans le bloc. C'est sûr, quand ça joue derrière, il y a beaucoup de difficultés. Ça met du temps à ressortir et du coup, on a du mal à atteindre la cage vraiment en fait. Enfin, ça tournait beaucoup. On tentait des frappes, tout le monde tentait. C'était un peu désordonné. C'est pour ça que je crois que sur les deux manches, on finit à 8 accepted goals contre 2 et quelques, si je me trompe pas. Mais en fait, je sais même pas si c'est vraiment pas mérité en fait. Enfin, je pense que quelque part, on l'a mérité parce que on n'a pas montré grand chose. On avait la balle du 4-1 sur penalty au match aller, donc c'est mort après. Enfin, c'est fini. Hein. 4-1, ça veut dire qu'ils doivent mettre 3 buts chez nous. C'est alors que nous, on peut faire jeu égal. Et en fait, on s'est tué nous-mêmes, je pense. Donc maintenant j'ai un peu j'ai un peu ravalé ma haine et bravo à eux, on a juste été mauvais à l'image de notre saison, et une saison d'ailleurs qui du coup est finie pour Hoffenheim qui faute de mieux. Ouais, un peu compliqué, une année, on ne peut même pas parler d'année de transition, mais effectivement une année ratée pour le TSG. On va passer à la Ligue des Champions, puisque l'Europa League, on l'a dit, le bilan est particulièrement terne. En ce qui concerne la C1, on le sait, le tenant du titre est allemand puisqu'il s'agit du Bayern Munich. Et donc, on avait encore 4 clubs engagés en 8e de finale. Donc, les 4 clubs qui étaient engagés depuis le début de la compétition d'ailleurs. Et on va commencer par un petit rappel sur les résultats et sur le calendrier. Gab, je te laisse nous éclairer là-dessus. On va commencer par les bonnes nouvelles un peu. Il y a le Bayern qui a rayonné en Italie contre la Lazio, donc 4-1. Donc une très belle opération, même si ça surprend peu de monde. Il y a par contre quelque chose de plus surprenant, que en tout cas pour ma part j'attendais un duel disputé, voire au désavantage des Allemands, c'est Dortmund contre Séville. Donc le match joué à Séville et ça finit sur le score de 2-3, donc Dortmund qui gagne avec un doublé d'Haaland, donc un très gros match de sa part. Je pense que tout le monde a vu, enfin en tout cas a entendu parler de ce match, et notamment de ce match d'Haaland. Donc ça fait du bien de voir un peu ça sur la Bundesliga, sachant que les autres matchs allemands, c'était Leipzig-Liverpool qui finit par une défaite, donc 2-0 des hommes de Nagelsmann, une défaite un peu frustrante. Et ensuite il y a Gladbach qui peut aussi s'en vouloir contre Manchester City, je pense, donc sur le même score, 2-0. Très bien, merci pour ce petit rappel des scores. Clément, parce que je ne veux pas que tu t'endormes, étant donné qu'on t'a pas encore entendu depuis le début. Je te laisse commenter le match de ton choix parmi les 4 confrontations qu'on a pu voir. Alors moi je pense que je vais parler de le match qui m'a le plus intéressé, c'est Dortmund-Séville. C'est vrai que dans l'avant-match, avant d'avoir les compositions et les jours précédents, pas grand monde ne croyait en Dortmund, et honnêtement on pensait juste que ça allait être un difficile chemin de croix pour Dortmund. Mais tout d'abord, quand la compo est sortie, c'était un 4-3-2-1 qui, je pense, a surpris beaucoup de personnes, beaucoup de suiveurs du BVB, parce qu'on est habitué à des compos un peu folkloriques. Et là, on a eu une excellente compo pour produire du jeu, avec Kahn en récupérateur et deux relayeurs avec Daoud et Yud, très intéressant. Avec aussi le milieu à 3 qui était beaucoup moins fébrile, et la défense, donc la défense qui a été un gros souci du BVB dernièrement, notamment sur les coups de pied arrêtés, était bien meilleur. Donc dès le début, Dortmund a pu mettre la pression et bloquer les relances de Koundé, qui était aussi une menace assez identifiée.
Et on a tout de suite vu une domination allemande qui était au final attendue par la composition, mais inattendue par rapport au dernier résultat, avec une très bonne dynamique malgré un but encaissé de Suso qui a un peu inversé la tendance qui était un peu à contre-courant. Bon, Sancho, Haaland et Reus ont fait un excellent match et bon, Haaland, il n'y a même pas à souligner le fait qu'il mette encore un doublé et qu'il fasse, si je dis pas de bêtises, une passe décisive ensuite. Ils ont continué à mettre une très bonne pression pendant tout le match. Avec évidemment la vitesse et la puissance de Haaland qui ont été très utilisées. Franchement, c'était un match, je souligne tous ces points de jeu et de tactique parce que c'était un match presque inattendu par rapport au dernier résultat de Dortmund et qui a fait très très plaisir. Parce que c'est vrai qu'on avait peur, surtout, c'était que le match se passait au stade de Séville. On a eu peur que, bon, Séville, comme on l'a vu en Liga, était. Bon, on regarde pas autant la Liga que la Bundesliga évidemment, mais Séville était dans une très bonne passe et alignait les très bons matchs. Sans encaisser de but en plus aussi, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils en prennent trois sur ce match-là. Ouais, effectivement, c'est ça. Et puis il faisait vraiment. Bon, on a pu voir quelques extraits passer sur Twitter pour ceux qui suivent plus généralement le foot avec des sorties de balles exceptionnelles, des jeux en une touche. C'était vraiment. J'avais personnellement, et j'étais pas le seul à. J'avais personnellement très peur pour le BVB. Et au final, le boulot a été fait. Enfin, le BVB a marqué 3 buts et un but d'avance. Bon, évidemment, il va falloir faire attention à Séville qui reste un très bon club, un club habitué des bonnes confrontations, des grandes confrontations européennes, plus en Europa League qu'en Champions League ces dernières années, certes, mais tout de même. Et il n'y a qu'un but d'avance. Mais le fait que le BVB parte avec un pion d'avance est vraiment positif. Et si je devais tirer quelques constats, c'est vraiment le trio du milieu qui était. Bah, vraiment très bien choisi avec Bellingham, Daoud et Kane. Bon, le fait que Meunier n'ait pas joué, personnellement, j'étais assez content et je pense que du côté des fans du BVB, tout le monde devait être content aussi parce que Meunier jouait, mais ça ne l'empêchait pas de faire de mauvaises performances. Le fait que Reus et Sancho étaient alignés derrière Haaland, mais étaient quand même vraiment en soutien et pas forcément que des ailiers, c'était aussi une très bonne idée et Haaland a pu clairement exploiter son potentiel en plantant les deux pions et en faisant la passe décisive. Donc voilà, c'était un très bon match de Dortmund. Satisfaisant, il n'y a pas grand-chose à redire comme ça, mais il va falloir vraiment quand même s'accrocher au retour, qui sera à domicile, pour passer à l'étape supérieure. C'est sûr que bah, rien n'est fait pour Dortmund. Honnêtement, j'étais pas très confiant avant et je pense que enfin même les matchs retour et aller, ça ne veut plus dire grand-chose en ce moment, même sans les supporters au Westfalen Stadion. Dortmund, je crois, c'est la quatrième victoire de suite, donc ça va peut-être un peu mieux, peut-être un peu de stabilité. Ça leur fait pas de mal parce que c'est une saison vraiment bizarre, je pense, enfin assez étrange. Ça nous a tous surpris. Ils sont qualifiés en demi de Pokal. Ils sont donc plutôt favoris pour la suite en Champions League et en Bundesliga. Bon, il faut quand même rattraper, il y a des points, mais peut-être que ça part de là, c'est peut-être un succès parce que gagner 4-0 contre Schalke, bon, à part Hoffenheim, sinon il n'y a pas trop de problèmes, les clubs ils y arrivent, mais c'est une victoire qui m'a surprise et je pense que c'est un constat unanime. Merci pour ce résumé très complet de ce match. Et d'ailleurs, je t'accorde un bonus de 2 points, Clément, pour avoir casé le mot folklorique dans ton analyse. Maintenant, on va évoquer le cas aussi rapidement. Alors, je vais rapidement revenir sur Gladbach. J'en avais fait un trade sur Unserfußball pour rappeler un peu les leçons tactiques de ce match. Pas grand-chose à redire, hein, si ce n'est que Manchester City, de toute manière, c'était la marche trop haute pour Gladbach. C'est actuellement l'équipe en Europe City qui est la plus solide. Alors bon, chaque année, on a l'impression que ça va être leur année pour gagner le titre et ils arrivent à faire un peu n'importe quoi après. Mais là, encore une fois, sur ce match, il n'y avait pas photo. Seul point un peu décevant, et je rejoins Gab là-dessus, c'est qu'effectivement, Gladbach a quand même quelques armes à faire valoir pour embêter City, notamment dans le jeu de transition, qu'ils n'ont absolument pas réussi à faire sur ce match. Après, comme on l'avait déjà évoqué un peu auparavant, qu'on avait notamment fait le podcast sur Gladbach, qu'on vous invite à aller réécouter, eh bien Gladbach a beaucoup de mal et sont sans doute l'équipe engagée en Champions League parmi les autres équipes allemandes qui a le plus de difficultés à relancer sous pression. Et ça s'est vu contre City encore une fois, avec beaucoup de pertes de balles assez similaires, donc des relances des défenseurs excentrés directement dans l'axe qui n'ont pas l'effet escompté. Et donc c'est compliqué pour Gladbach, le retour le sera encore plus, d'autant que l'équipe n'est pas du tout en confiance en ce moment. Donc voilà pour Gladbach. Peut-être évoquer aussi le cas de Leipzig, décevant face à Liverpool. Gab, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation du RBL face à un adversaire qui pourtant n'était pas du tout en confiance
et qui est resté, si ma mémoire est bonne, sur 3 défaites de suite en première ligue. Ouais, ça va pas fort pour Liverpool en ce moment, enfin du coup un peu mieux maintenant, mais c'est sûr c'est décevant, mais je trouve que c'est un peu frustrant aussi, peut-être c'est un match un peu qui est perdu à l'inexpérience, j'ai l'impression, donc ils perdent 2-0 avec 2 erreurs défensives, il y a une passe qui est faite à un défenseur et une autre, c'est un dernier défenseur qui loupe son contrôle, enfin c'est n'importe quoi, c'est 2 buts offerts lorsque tu joues contre Liverpool en tout cas. Peut-être qu'en Bundesliga, ça peut se rattraper des erreurs comme ça, mais contre Liverpool, c'est impossible. Donc c'est dommage parce qu'il y a des occasions, ils auraient pu ouvrir le score, je crois, très tôt dans le match. Mais surtout, je pense, ce qui est le plus frustrant, en plus de donner 2 buts, c'est qu'ils ont une balle dans le temps additionnel où c'est un face-à-face, ça passe juste à côté. Et je pense qu'un 2-1, ça changeait littéralement tout. Et après, je pense que ça reste possible, avec un but rapide, on sait jamais. Surtout comme tu as dit, Liverpool, c'est pas la forme de la décennie, voilà, on les a connus plus forts et bien plus forts. Je pense enfin, c'est un des Liverpool les plus faibles sur les dernières années, après c'est toujours à relativiser. Mais du coup, il y a toujours une fenêtre, je pense, à prendre pour les hommes de Nagelsmann, parce qu'on sait qu'ils ont des qualités depuis souvent, enfin depuis quelques années, et cette année encore, on sait qu'ils peuvent faire des choses, on le voit sur la scène. Enfin, en Allemagne, et il faut que ça se confirme sur la scène continentale. Mais c'est vrai que ce match, ben, ça ne le met pas du tout dans des bonnes conditions pour la suite, en tout cas. D'accord, merci, merci Gab. Oui, c'est vrai, je pense que tu as bien résumé en quelques mots le match de Leipzig, donc une défaite à l'inexpérience, effectivement. C'est l'impression que j'en avais retiré également. Et le dernier match, alors qui n'est pas le plus intéressant, donc on va pas s'étaler là-dessus, le Bayern tenant du titre qui l'a remporté assez facilement face à la Lazio 4-1. Donc en fait, un peu la même analyse que pour le match Gladbach City, c'est-à-dire que la Lazio sur le papier, comme Gladbach, a le plan de jeu et a également les qualités pour embêter le Bayern, mais l'écart est trop grand et le Bayern peut encore s'en remettre à ses individualités. Et surtout sur ce match-là, les Bavarois se sont remis en mode Champions League, alors qu'en Bundesliga, depuis le début de la saison, c'est assez poussif avec beaucoup de buts encaissés. Là, sur ce match-là, ils étaient vraiment de nouveau assez précis, notamment dans leur contre-pressing. Et particulièrement Alphonso Davies qui revient à un bon niveau là. Il avait un peu de mal en début de saison, là ça recommence à devenir assez costaud. Donc le Bayern, assez logiquement, qui avait encore beaucoup beaucoup de marge. Que ce soit Gladbach ou la Lazio, en fait, dans des matchs comme ça, je sais que pour Gladbach, on avait souligné les qualités, parce qu'il y a moyen de faire du mal, mais en fait, il y a quand même beaucoup de faiblesses derrière que on soulève pas forcément, et c'est vrai qu'en fait, t'as pas le droit d'accentuer tes faiblesses. Je crois que Gladbach, ils font une erreur qui les condamne, et la Lazio, un peu pareil. Déjà, ils arrivent sur le match pas très serein, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, j'ai pas vu le match entièrement, mais c'était pas une équipe qui se disait j'ai rien à perdre, j'y vais, j'y joue comme ça. C'était une équipe beaucoup plus craintive et ça se sent, et contre le Bayern, ça je pense que ben ça peut pas passer, encore moins quand tu fais une erreur. Peut-être je confonds, mais il y a une erreur aussi en accord, un but plus ou moins donné à Lewandowski. Oui, bah alors c'est ça, le premier but, comme tu dis, c'est vraiment une. Alors je crois que c'est Musacchio qui fait une relance vers l'arrière complètement manquée vers son gardien. Évidemment, Lewandowski, ce genre d'opportunité, ne les rate pas. Donc déjà, tu pars avec un déficit d'1-0 en début de match, et qui en plus de ça derrière, tu mets pas particulièrement en confiance. Sachant que ton plan de jeu en plus au sein de la Lazio, c'est souvent justement d'essayer de construire depuis l'arrière. Donc c'est vrai que en fait les erreurs individuelles comme ça face à une équipe comme le Bayern. Quand tu es la Lazio, évidemment, ça te tire une grosse balle dans le pied pour la suite du match, et ça s'est vu ensuite avec ce score final. Oui, exactement, et ça se décline aussi du coup sur Gladbach City. Bon, on avait beaucoup d'erreurs quand même. Enfin, c'est vrai que la Leipzig, la 2 erreurs, c'était très dommage, quoi, parce qu'au final, bon, c'est vrai que Leipzig fait ses erreurs en deuxième période, mais il y a Sabitzer qui fait la première erreur à la 53e, 55e, quelque chose du genre, et moins de 10 minutes plus tard, on a la deuxième erreur et le deuxième but. C'est vrai que c'est dommage de tirer une balle comme ça dans le pied. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on a vu beaucoup d'errements du côté des équipes allemandes en Europe. Enfin, pour les matchs, tous les matchs là, même par exemple, au final, le BVP, pour y revenir, ils ont beaucoup encaissé sur coup de pied arrêté ces derniers matchs cette saison. Ils ont encore encaissé le but de De Jong qu'ils prennent. Ils l'encaissent sur un coup de pied arrêté tiré par Rodriguez au second poteau, je crois, si je dis pas de bêtises. Et même pour aggraver ça, Hoffenheim, il loupe quand même un penalty crucial. Je pense qu'il y a beaucoup de l'irrégularité en Coupe d'Europe, pardon, cette année. Elle peut être expliquée ben, par peut-être un manque de concentration. On ne sait pas, c'est pas pris au sérieux.
Peut-être on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a trop d'erreurs en tout cas pour faire mieux. Bah, c'est vrai que typiquement le Bayern qui encaisse 3 buts et que c'est seulement un 3-0 qu'ils ont sur saut d'orgueil et qu'ils en mettent 3 et qu'ils finissent par perdre 4-3, c'est là qu'on voit quand ils arrivent à en mettre 3 avec un déficit de 3 buts. On se dit c'est dommage, pourquoi ça se passe pas avant quoi, et pourquoi Oppenheim ne tue pas le match. C'est des questions, c'est vrai un peu bête, mais qui sont légitimes à se poser quoi, quand on voit finalement les résultats des doubles confrontations en Europa League et même pour Gladbach ou Leipzig dans une certaine mesure. Les amis, petit tour de table sur la C1 pour conclure ce débat. Assez rapidement, je vais commencer par toi Gab. Tes pronostics pour les matchs retour, combien de clubs allemands et lesquels surtout vont passer au prochain tour d'après toi? On va dire, objectivement, je pense qu'il y en aura deux. Le Bayern, on peut tabler que c'est fait. Je ne les vois pas tout craquer maintenant. Gladbach, je pense que ça sera trop compliqué. Liverpool, enfin Leipzig, du coup, je veux bien y croire, même si c'est compliqué. Et du coup, je vais faire le pari que Dortmund, ça passe pas. Mais Donc, une seule équipe. Non, deux. Le Bayern et Leipzig, pardon. D'accord, donc la remontada... On sent l'ancien fan de Nagelsmann. Clément, qu'est-ce que tu dirais, toi, là-dessus ? Bon, personnellement, le BVB, j'ai envie d'y croire. Évidemment, ça dépend encore une fois de la compo et des dynamiques, mais la dynamique du BVB est très bonne et ils ont réussi à le faire à l'extérieur, ils ont réussi à imposer leur marque. Le Bayern, bon, est-ce qu'il y a besoin de faire un commentaire ? Je ne pense pas. Bon, après, je dis ça, on sent qu'on va se prendre un retour de karma gigantesque. Ça sera un peu ballot, mais... Après, c'est vrai que Leipzig, j'ai envie de les voir passer. Et je sais qu'ils ont les capacités de faire un bon match. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas dans ma tête de mémoire de match où Leipzig arrive à finalement rattraper un déficit ou à inverser une tendance qui était très mal engagée. Ben, ouais, le dernier match, là. C'est vrai, mais je veux dire, hors championnat, bah, c'est vrai qu'en championnat, il y a eu... Mais je me demande si Leipzig, qui a quand même une histoire récente, du coup, je me demande s'ils vont vraiment avoir la hargne pour aller chercher cette... D'autant que Liverpool n'a plus que la Ligue des Champions à jouer, donc c'est ça. Forcément que... 90 minutes seront concernés. Et que Klopp a l'air de se remettre tout doucement, parce que c'est vrai qu'il a eu quelques soucis personnels dernièrement, Klopp a l'air de se remettre plutôt bien dans dans le moule de Liverpool. Et sinon, pour Gladbach, bah, ça me paraît... c'est là que je suis le moins optimiste, je pense que Gladbach ça va être très difficile. Et la marge de City, est, comme Paul l'a très bien dit avec une belle métaphore qui mérite 2 points aussi, la marge de City était bien trop haute et c'est malheureux parce que Gladbach a proposé un très bon jeu en poule, a été inquiété toutes les équipes sur leur terrain, a fait un très bon premier début de saison et malheureusement là, l'annonce de Rose, on a l'impression que tout s'effondre. En plus, sachant que City, ça aurait déjà été difficile avec une équipe de Gladbach à son sommet, donc bon, Gladbach... Dans mon cœur, j'y crois, mais c'est vrai que sur le papier, ça va être difficile. Donc, je dirais que non, Gladbach ne passe pas. Écoutez, je serai le plus pessimiste de nous trois, puisque moi, je ne vois qu'une seule équipe passer, c'est le Bayern. Malheureusement, le but qui a encaissé Dortmund en fin de match contre Séville me fait un peu peur. L'avance 3-2 me fait un peu peur. Ouais, moi aussi. Alors après, bon, vu que j'ai une réputation de chat noir dans le milieu du football, j'espère me tromper et j'espère que cette réputation continuera. Mais bon, en tout cas, voilà, et de même. Rien à ajouter par rapport à ce que vous avez dit sur Leipzig. Je pense que le retard est un peu compliqué et sur un match de Ligue des Champions comme ça contre Liverpool, et l'expérience risque de prendre le dessus sur les dynamiques et le jeu proposé. Dernière partie, un peu spéciale puisque un peu extra-sportive, on va dire. Nous allons vous apporter quelques précisions sur Unser Fußball. On commence à nous connaître maintenant, mais il faut en dire plus. Et je vais laisser Clément en parler, puisque Clément est la personne la mieux placée pour évoquer Unser Fußball, vu que c'est lui qui a permis à ce projet de voir le jour. Donc Clément, je te laisse la parole. La mieux placée, je ne sais pas, parce que c'est vrai que vous faites tous les deux aussi du très bon travail. Faut être gentil parfois entre nous, hein. Mais, oui. Mais du coup, c'est vrai qu'on parle, dans le podcast, on parle beaucoup de foot allemand, mais on parle peu de nous au final. Et bon, donc on voudrait faire aussi un petit récap pour vous dire un peu tout ce que c'est Unser Fußball pour ceux qui n'arriveraient pas forcément à cerner, pour ceux qui potentiellement nous découvriraient avec le podcast aussi, pourquoi pas. Donc, Unser Fußball, avant tout, on est sur Twitter, donc c'est le seul réseau social au sens propre du terme où vous allez nous trouver. Donc on fait vraiment de tout sur Twitter, on fait l'actualité, on fait les blessures, les transferts, on suit la Bundesliga et toutes les compétitions européennes et nationales. On essaye aussi de temps en temps de faire de la Zweite et de la Dritte, mais c'est pas toujours simple avec nos emplois du temps.
On fait aussi, on décrypte l'actualité, on approfondit avec notamment les excellents fils de Paul. Et d'ailleurs, en parlant de fils et de tweets, on tient à remercier Gab qui fait des très beaux visuels. Donc, bon, vous allez profiter prochainement. Et récemment, pour essayer d'améliorer entre guillemets, notre offre, pour vous proposer plus de choses, parce que c'est vrai que moi, typiquement, je suis aussi un très grand fan de Driteux, mais l'accent est mis sur la Bundesliga. On a recruté plusieurs community managers pour nous aider. Donc, combien? Ah, 3. 5? Oula, d'accord, je Normalement, suis mais... à côté de la plaque en fait. Bah, moi, je comptais aussi notamment Adrien de FC Köln France qui nous a rejoint. On va vous proposer des nouveaux formats avec lui dans les semaines à venir. Et en parlant de semaines à venir, d'ailleurs, on va continuer à travailler sur le podcast. Là, prochainement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échéances. Donc, on va avoir la fin de championnat qui va être couplée avec la fin de saison. Donc, aussi un bilan européen à faire en espérant que nos équipes aillent le plus loin possible grâce à la chance que Paul porte aux équipes quand elle dit qu'elles ne vont pas se qualifier. Donc, on va pouvoir aussi parler de l'Europe, enfin, pardon, de l'Euro en fin de saison avec la Mannschaft. Est-ce qu'on va avoir grand-chose à dire? Je l'espère, mais bon, on verra bien. Les matchs de mars vont bientôt nous donner une indication. Et on va essayer d'être plus régulier, de proposer davantage d'interactions. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Discord aussi. Donc sur le Discord, c'est vrai qu'on essaye d'être actif. Parfois, ça manque un peu de piment, mais comme on dit, une très belle expression, un peu boomer, plus on est de fou, plus on rit. Donc n'hésitez pas à venir. Vous pouvez discuter avec nous et discuter entre toutes les personnes qui suivent Winter Football et le football allemand de près ou de loin, parce que c'est vrai que parfois sur Twitter, on n'est pas forcément invité à répondre. Et donc je pense avoir fait à peu près le tour. Gab et Paul, n'hésitez pas à me dire si j'ai pu oublier quelque chose. Ouais, globalement, je pense que c'est un projet sur le football allemand qui. Enfin, il y a besoin d'avoir des projets autour de ça parce que c'est ce qu'on aime. Et donc, si c'est aussi votre cas ou que vous êtes juste intéressé, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait, etc. Enfin, même écouter le podcast jusque-là, ça nous fait vraiment plaisir et c'est top que vous soyez. Oui, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est présent également sur Spotify, hein, je le rappelle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a sorti le budget. Mais c'est vrai que le podcast c'est aussi important parce que on se mouille un peu plus la nuque, on part un peu plus sur un terrain inconnu, parce que c'est vrai qu'on propose pas d'articles à titre personnel, beaucoup de comptes proposent des articles, etc. On a voulu se lancer dans une démarche un peu différente et un peu nouvelle pour nous tous. On n'est pas du tout des spécialistes du podcast. Donc n'hésitez pas à donner vos avis positifs ou négatifs, il n'y a pas de souci, c'est vrai que comme on commence, on peut faire des choses négatives aussi. Et ça fait plaisir, le moindre commentaire, le moindre partage fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas, parce que on existe avant tout grâce à vous, et grâce à la passion que vous avez comme nous, on n'est pas différent de vous, on aime vraiment le même sport, et c'est parce qu'on aime le sport justement qu'on fait autant de choses autour, donc n'hésitez pas à faire vivre, tout ça c'est grâce à vous, merci. Écoutez, ce sont de très belles paroles. Je te remercie Clément pour cela. Eh bien, écoutez, merci à vous deux pour ce podcast très complet sur l'Europe. On espère que les matchs retour nous feront plus ou moins mentir et qu'on aura encore beaucoup de plaisir à suivre nos équipes allemandes en Ligue des Champions. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et continuez de suivre le football allemand avec attention. Tchuss!